Aujourd'hui, on a beaucoup d'abonnés, hein, plus de 5 millions d'abonnés sur la partie ADSL, plusieurs millions maintenant sur la partie mobile. On veut être au plus proche de nos abonnés. Ben, c'est un bel espace bon, qui ressemble étrangement à Apple, moi, je trouve. Hein. J'aime bien ce côté un peu centralisé, plutôt que complètement dispersé, où en général, les boutiques sont des fois gérées comme des franchises. Donc, vous en avez des très professionnelles et vous en avez des très incompétentes. Donc la centralisation, je pense que c'est une très très bonne chose, parce que je pense qu'au moins on sait à quoi s'attendre exactement en fait. Je suis venu découvrir les forfaits, parce que tout le monde m'a dit comme quoi il y avait des forfaits à 2€, à 20€, des choses comme quoi c'était bien, mais qu'il y avait des problèmes sur les réseaux à partir d'une certaine heure, comme quoi ça pouvait être saturé ou des choses comme ça, et c'est pour ça que je suis venu aussi un petit peu... voir comment ça se déroulait ici. Quoi. Les achats, je trouve que c'est un petit peu embêtant puisqu'on ne peut pas avoir ce qu'on souhaite acheter, nous l'envoie. Donc c'est sous 48 heures, voire 72 heures. Donc si on n'est pas à la maison, ça repart à la poste. Enfin bon, bref, encore, c'est un petit bémol. Donc j'espère qu'ils régleront ça rapidement. Je pense que la clientèle de Free ne pouvait pas se contenter définitivement, d'une distance par rapport à son opérateur que par l'intermédiaire d'Internet. Et que c'est important d'avoir un contact directement, je pense. Il n'y a rien qui remplace le contact humain, en fait, surtout quand il s'agit d'assistance technique ou autre.